lors du 54e sommet du PDG, le parti au pouvoir, l'actuel président du Gabon a implicitement accusé son rival politique, Jean Ping, de travailler en étroite collaboration avec les pays voisins pour déstabiliser les institutions du Gabon. Des accusations qui visent directement le dictateur Denis Sassou Nguesso, avec qui il nourrit une véritable haine. Lors du sommet du climat à la COP26 à Glasgow, Ali Bongo avait refusé de rencontrer le dictateur congolais. Une rivalité politique qui s'apparente à une guerre familiale, à un règlement de compte entre familles opposées. Dans la même occasion, Ali Bongo a réitéré sa volonté de se maintenir au pouvoir malgré son état de santé fragile et les critiques de l'opposition et de la majeure partie de la société civile. Chers camarades, 2023 approche à grands pas. Je serai là avec vous. Pour vous, qui sera la victoire? Une victoire franche, nette, indiscutable, pour que le travail commencé soit achevé.